Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter l'oracle de l'énergie, qui est un oracle de 53 cartes. Il est dans cette boîte, comme ceci. Il y a un petit livret qui est assez conséquent. Et puis, les cartes, bien entendu, on peut les utiliser en droit en vert. Le format, c'est un format type carte oracle classique. Elles sont d'excellente qualité, elles sont légèrement glossies, elles sont plutôt épaisses, enfin elles sont épaisses d'ailleurs. Elles sont dorées sur les tranches, elles se mélangent très très bien et puis elles s'étalent très très bien également. Elles sont très très agréables. C'est un oracle qui est... difficile à définir au niveau graphisme. Il nous propose de travailler avec les anges, les archanges, beaucoup de dorures. Et ce que j'apprécie beaucoup avec cet oracle, c'est qu'il est intuitif. Alors on travaille avec les chakras également. Donc l'auteur a relié à des archanges. On va avoir un mélange de styles au niveau du graphisme. On peut utiliser les mots-clés qui sont très parlants. Et puis donc les scènes qui sont représentées. Beaucoup de détails pour la plupart des illustrations. Et c'est un oracle qui répond très très bien, qui est très juste dans ses réponses et qui est très agréable à utiliser. Alors, il a un petit côté kitsch, hein, je reconnais, avec toutes ces dorures. Mais il est très chouette. Il est très chouette quand même. Ça donne des énergies qui sont très, très douces et également très dynamisantes. Alors, beaucoup de liens avec le tarot, hein, également. Ange de la force, par exemple, avec cette carte. Alors, on a dans le petit livret la table des matières. Une introduction à propos des cartes. Donc, elle nous explique justement les cartes de chakra avec les couleurs, etc. L'interprétation des cartes avec des conseils pour avant de tirer les cartes, de faire les lectures. La disposition, bon ben voilà, comme d'habitude. Et ensuite, on a donc un tirage à une carte, à trois cartes, la croix à sept cartes, le tirage à neuf cartes. Et puis on peut, on a une invocation qui nous est proposée. Alors, on a pour chaque carte
Le mot-clé qui est représenté, la signification à l'endroit et à l'envers. Et puis une affirmation. Et c'est comme ça pour chaque carte. Hein. Hop. Et à la fin, à propos de l'auteur, à propos de l'artiste également. Donc un petit livret, voilà, c'est agréable à lire, c'est bien écrit, on n'est pas obligé de l'utiliser, hein, mais on peut tout à fait utiliser en mode intuitif. Alors, on va tirer une carte, on va voir, et on a le troisième chakra, l'archange Chamuel. Alors, je vais vous lire un extrait. Alors, à l'endroit, le puissant archange Chamuel tient une magnifique sphère de lumière dorée à la hauteur de son plexus solaire, là où se trouve votre troisième chakra et l'énergie de votre force vitale. Pardon. Ce chakra est rattaché à vos émotions de désir et votre énergie personnelle. À l'endroit, cette carte indique que vous êtes plus enthousiaste, ou que vous le serez bientôt. C'est un bon moment pour réaliser vos désirs. Votre force vitale vibre avec puissance et résonance. Et votre âme vous invite à diriger votre énergie de manière concentrée et déterminée. Cet ange de pouvoir est auprès de vous. Alors, foncez. Donc, un message d'encouragement, de confiance en soi. Et puis, bon, évidemment, il y a le message à l'envers, mais... on va prendre l'aspect positif pour pouvoir évoluer, avancer, cheminer dans la direction qui nous permet en tout cas de nous épanouir. Alors, pour conclure, c'est un oracle que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup utilisé. Hein, comme vous voyez, il est quand même pas mal abîmé, sur les tranches en tout cas. C'est un oracle qui mérite, je pense, d'être peut-être plus vu ou utilisé parce qu'il est vraiment efficace. Et puis, il est très sympa. Après, voilà, on a un petit côté romantique dans les illustrations avec des belles robes, des belles dorures, tout ça, tout ça. Et c'est plutôt rigolo, en fait. Mais à l'usage, c'est un réel outil efficace. Donc, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur cet oracle si vous le souhaitez. Likez, partagez. C'est important pour vous faire vivre ma chaîne. Et puis, moi, ça me fait super plaisir. Commentez également. J'aime beaucoup vous lire. Et puis, si vous souhaitez une guidance, vous avez toutes les informations sous cette vidéo. N'hésitez pas à me contacter. Je vous remercie et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.